Ben moi, je vais vous dire une chose. Je préfère mourir avant que la science informatique soit capable de télécharger le contenu au cerveau. Parce que je le vois d'ici, moi, le progrès. Dans 10 ans, si t'as le malheur de choper un cancer du côlon, on te greffera un anus électronique. Et à la première occasion, tu te retrouveras avec une clé USB plantée dans le cul. Et tout sera téléchargé, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout. N'importe quoi. Mais si, c'est vrai. Et si tu suivais un peu plus ce qui se passe, tu serais sûrement au courant. Mais on le sait ce que tu penses, papy, tu nous le rabâches à chaque fois. Je vous dis pas tout. Oui, bah t'as qu'à pas choper de cancer du côlon, et puis voilà. Pour ça, faudrait peut-être que vous arrêtiez un peu de m'emmerder. Bah moi, je trouve ça plutôt bien comme idée. Que les gens du futur puissent disposer de nos connaissances, du fonctionnement de nos cerveaux. Surtout quand on a vécu aussi longtemps que toi. C'est une idée de merde. Le futur, c'est de la merde. Les gens du futur seront des cons, comme tous les autres avant eux. L'éternité, c'est de la merde aussi. Ce qui est beau, c'est la mort. La mort, c'est ce qui rend la vie poétique. N'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut te faire quand tu seras mort d'avoir été un poète ou pas? Tu seras plus là pour le voir, de toute façon. Mais c'est pour les autres, espèce de petite merde. C'est pour qu'on se souvienne que ça existe, la poésie. Dire des gros mots et insulter tes petits-enfants, c'est ça que t'appelles de la poésie? Vous me faites tout chier! Je veux mourir maintenant! Voilà. Et vous le savez sûrement, mais on est aujourd'hui en mesure de lui greffer un dispositif électronique qui permettra de recueillir l'expérience de sa vie. Vous me faites tout chier ! Je veux mourir !